à la proclamation des résultats. Donc 762 votants, 686 bulletins exprimés, 60 blancs, 16 bulletins nuls. Beauchat, gendarme, 214. Gillard, maçon, 472. Le bilan de ces élections, deuxième tour. Bien, écoutez, une satisfaction puisqu'on voit que le taux de votants se maintient. On était à 769 votants pour le premier tour, on est à 761, donc c'est à peu près la même chose. En revanche, une très forte progression pour le binôme Gillard-Masson, et on est plutôt satisfait à Pelt, puisque, je le rappelle, Martine Gillard est adjoint au maire dans mon équipe, ce qui nous fait largement plaisir. On espère qu'elle sera élue conseiller départemental.